dernier vrombissement de la saison pour les cadors du rallye tout-terrain. Comme chaque année, SSV, 4x4 et Buggy se donnent rendez-vous en Normandie pour l'épilogue de la saison. Faut à la fois attaquer et à la fois assurer parce que on veut finir à tout prix le rallye. Aller au bout des 149 km de course pendant les 11 spéciales du week-end. Plaine et vallée, un rallye spectaculaire souvent marqué par une météo difficile. Pas de quoi décourager les fans de la discipline. Et surtout pour emmener mon fils voir toutes ces voitures 4x4. Il aime beaucoup depuis qu'il est tout petit, je l'emmène chaque année. Et malgré la pluie, qui est là assez fréquemment, on est là et on profite du spectacle. Au centre des attentions notamment, l'équipage 226 de l'Heuroise, Coralie Blondet, et de son conjoint Nicolas Martin. C'est de la joue la gagne sur ce rallye qui récompense les intrépides. On arrive en fin de saison sur des rallyes qui sont très très rapides, donc faut oser pouvoir rouler à plus de 160-170 dans des chemins à une très faible adhérence. C'est vraiment la particularité. Attention, gauche-droite 6, la compression soulage, attention. Allez là la compression, gauche-droite 6 pour 300 mètres. Entre pneus pour 300 mètres. Ça sent chaud. Ouais. Pour 300 mètres gauche 6 à la C'est très sympa. Après on passe énormément de temps du coup ensemble parce qu'on est dans la voiture ensemble, on bosse sur la voiture tous les deux. On fait tout ensemble et donc il faut vraiment une grosse complicité. Mais ça se passe très bien. Après bon, il y a forcément des petits moments où le ton monte, mais ça redescend assez rapidement. Une symbiose dans le cockpit qui a permis à la Normande d'être d'ores et déjà sacrée meilleure copilote de la saison. Pour le classement général du couple, verdict ce dimanche.